Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans Tone Factory avec une basse. Et oui, une basse, ça fait un petit moment qu'on nous le demande. Et comme je suis pas bassiste, bah, j'ai invité aujourd'hui dans l'émission mon bassiste préféré, Dan Nambotin. Merci d'être venu, Dan. Bah, merci de m'avoir invité. Merci à Dimitri et à toi de m'avoir invité au studio. Très content. Alors, bah, on est ravis de t'avoir déjà parce que ça sonne, ça fait toujours plaisir. Et puis avec cette période de confinement, on n'a pas joué depuis un moment. Donc j'avoue que ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a manqué aussi. Ouais, carrément. Alors, au-delà de la musique, on va parler d'instruments, de musique et de Music Man aujourd'hui avec cette fantastique Stingray Bass. Encore une Music Man, me direz-vous, dans Tone Factory. C'est pas pour rien, on est vraiment amoureux de ces instruments et de la lutherie. Alors, qu'est-ce que ça représente Music Man pour toi déjà? Bah, Music Man, c'est vrai que ça fait partie des grandes marques légendaires des basses. Moi, ça faisait partie des instruments que je rêvais d'avoir quand j'étais plus jeune. Music Man et Fender, c'était un peu les deux marques qu'on avait envie de posséder. Donc, et puis, c'est vrai que celui-ci est un très beau spécimen. Donc la légende, un peu comme Gibson Fender pour les guitaristes. Et au-delà de ça, je crois que toi, tu es propriétaire d'une Music Man aussi. J'en ai une aussi, une Stingray en 5 cordes. Yes. Et ouais, ce qui me plaît dans ces modèles, c'est que c'est très polyvalent en fait. On peut faire beaucoup de styles différents, il y a beaucoup de réglages possibles. Et pourtant, ça fait longtemps que ça existe, quoi. C'est vraiment, c'est un peu comme tu disais, les Fender. Là, on parle d'une Strat en guitare qui peut un petit peu tout faire, ou d'une jazz bass, ou d'une précision. Là, ça fait partie de ce carcan-là, des instruments qui sont à la fois vintage et avec lesquels on peut faire des choses complètement actuelles. Plus modernes, avec des basses actives parfois. Ça, c'est assez incroyable. Justement, ce que je vous propose, les amis, on va parler de la lutherie juste après, de cette magnifique lutherie, parce que c'est encore une fois un gros coup de cœur, hein, cet instrument. On va l'écouter résonner, on va l'écouter chanter avec Dan. C'est parti. Alors voilà pour cette Stingray basse en mode un peu rock. Qu'est-ce que t'en penses, toi, à chaud? Eh ben, ce qui m'a frappé d'abord, c'est le sustain, la note qui tient vraiment. C'est vrai que c'est... Est-ce que tu peux nous faire juste une note pour qu'on se rende compte? Mais c'est vraiment affolant. Ouais. Si je l'arrête pas, ça s'arrête pas, je pense. Donc, ah oui, effectivement, en fait, on a presque l'impression qu'elle va mourir, puis elle repart, c'est dingue, il y a un truc... Ouais, il n'y a pas de compresseur, il n'y a rien. Aujourd'hui, on joue sur un tout petit marque basse, là, 2-10 pouces, donc c'est vraiment minuscule. Hein. Mais marque basse Little Ninja, c'est un ampli, on va dire, assez neutre. Hein. On a fait exprès de prendre ça, voilà. Normalement, c'est plutôt neutre, mais je pense que... C'est pas ce que t'as l'habitude de jouer, d'ailleurs, c'est vraiment un truc très droit, quoi. Ouais, c'est vrai, d'habitude je joue pas du tout là-dessus, mais je pense que ça vient vraiment de la basse, peut-être de l'acoustique de la pièce aussi un petit peu, mais ouais, ce sustain là, c'est vraiment ce qui m'a frappé d'abord. Et puis la précision aussi de la basse, vraiment, c'est... T'as pas le droit de déborder, c'est vraiment très précis. On entendait que quand tu faisais le riff de Deep Purple, là, c'était il y avait vraiment toutes les notes qui ressortaient. Ouais, on entendait toutes les petites brillances. Ça pardonne pas. Voilà, après, j'étais avec la tone à fond, tout ça, donc... On reparlera de l'équalisation, mais il y a un truc super sur cette basse. Pas unique au monde, mais quand même assez révolutionnaire pour l'époque, je pense. Je sais pas si c'était le cas dans les années 70. En tout cas, déjà au niveau de la lutherie, c'est le premier truc, moi, qui me vient à l'esprit... Comme pour les guitares Music Man, c'est waouh. Pour un instrument de grande série, c'est quand même rare de voir des essences de bois aussi classe. Et puis le manche, ouais, là, voilà, on voit que les lignes du bois sont magnifiques. Les vernis sont superbes. C'est vrai. C'est vraiment beau. C'est tout comme les guitares, un instrument, c'est parfait, moi, je trouve, en termes de lutherie. On a, juste pour la petite anecdote, par exemple, on l'a sorti de l'étui. On a dû retoucher un tout petit peu le manche pour toi, pour ta façon de jouer un peu plus rock'n'roll. Ouais, un petit peu relever les cordes parce que j'appuie un peu fort. Et là, la basse, elle a rebougé ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Non, ça bouge pas, ça frise pas. C'est un instrument tout neuf. Généralement, il faut remettre un petit coup de clé ou voilà. Là c'est, on a touché, entre guillemets, à l'arrache, quoi. On a juste... Complètement. Non, on sent que c'est de la bonne lutherie, que c'est très solide. Et c'est même pas très lourd par rapport à...
aux basses que j'avais pu essayer, c'est vraiment c'est léger. On voit c'est, que le c'est bois. C'est bon signe déjà, ça. C'est agréable. Les bois un peu secs, quoi. Donc, on a un corps en frêne, un manche en érable, c'est vraiment une recette hyper classique hein, au niveau de la lutherie, mais qui fonctionne, qui fonctionne toujours. Ça fait partie de la lutherie aussi, on va en parler. On a un super accastillage avec des mécaniques chaleur, enfin, c'est la classe. Et on a aussi ce petit truc là en bas, sur le chevalet, qui est très rigolo, qui marche extrêmement bien aussi. C'est des sortes de petites sourdines, en fait, des petits tampons qui viennent se remonter comme ça sur les cordes. Je ne sais pas si on voit bien ça à la caméra, mais en tout cas, on essaye de jouer avec ça quand on veut muter les cordes. En fait, toi, tu le fais naturellement avec ta paume de main, mais là, c'est la machine qui vient le faire. Donc, tu peux choisir la corde que tu vas muter, en quelque sorte. Les quatre. Ça m'a intrigué quand j'ai vu ça, effectivement. On peut remettre les petites mousses pour venir étouffer les cordes. Ça peut éviter aussi de mettre un chouchou ici, là, on voit parfois que les mecs le mettent ici. Pour les harmoniques et tout ça. Voilà, du coup, ça permet de muter les cordes. Peut-être qu'on testera aussi. Justement, j'aimerais bien écouter ça tout de suite, moi. Allez. Est-ce qu'on peut essayer ça on va régler ça. Je vais vous laisser avec Dan. On va écouter ce que donnent ces sourdines et à quoi ça sert. Justement, vous allez reconnaître des sonorités très 60s, en fait. Motown ou presque Beatles aussi, des fois, sur certains trucs de McCartney, un peu sans sustain, comme ça. Avec on écoute très ça. Courte, ouais. On va écouter ça ensemble tout de suite. Merci pour ce magnifique riff que j'adore, c'est My Girl, je crois. J'adore ce truc-là et toute cette époque où justement la basse était vachement en avant, elle faisait partie des morceaux. Et le fait d'avoir ce son-là, ça rappelle automatiquement, enfin pour moi, cette époque. Et grâce à ces pontets-là, à ces sourdines sous les pontets, pardon, sous chaque pontet, on peut vraiment faire comme on veut la balance de la basse. Je t'ai vu faire, t'as plus ou moins réglé la sourdine assez haut sur chaque corde. Voilà, on peut faire par corde avec les vis, et ça permet d'étouffer plus ou moins ce qu'on peut faire un peu manuellement avec la paume, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis tu peux jouer librement, surtout, après. Et après, pour faire les cordes à vide et tout, c'est... Ça, c'est quand même génial. Ça existait déjà, les sourdines sur les basses, sur les Fender, etc., mais c'est sur toutes les cordes. Ouais. Parce que là, c'est vraiment sur chaque corde, c'est vraiment mortel. C'est une petite option toute bête. Il y a ça chez Gretsch, par exemple, sur certaines guitares, c'est super aussi pour étouffer certaines cordes, etc. Mais c'est le genre d'option qui rend vraiment l'instrument, encore une fois, polyvalent. Parce que ça se règle en 2 secondes. Ouais, c'est très rapide, ouais, c'est vrai. Imaginons que tu es dans le set, tu fais un set de reprise, comme on a aussi l'habitude de le faire ensemble, et puis arrive le moment où on va jouer les trucs Stax, Motown et tout ça. Juste à bouger ça. Il suffit de dévisser. Sans changer d'instrument, c'est quand même fantastique, quoi. Parce que là, t'as juste baissé un tout petit peu la tona aussi, un tout petit peu la tonalité. On va avoir un son plus rond de l'époque. Donc ça c'est vraiment cool. On a tout de suite une basse qui change, quoi. On a un caractère qui change. C'est vraiment cool et vraiment bluffant. Encore une fois, chez Music Man. Alors, on va parler maintenant de l'électronique présent sur cette magnifique Stingray. J'ai du mal à parler de l'électronique avec une lutherie comme ça, parce que c'est vraiment déjà juste le bout de bois, pour moi, se suffit à lui-même. Mais alors, on a un humbucker ici, micro mythique chez Music Man, humbucker Alnico, donc depuis le début de la Stingray, en fait, c'est ce micro-là. Et puis après, on a un volume et puis une équalisation de bandes, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment on utilise ça? Le volume, ça sert à monter le son. Ouais, merci. du coup, les graves et les aigus, c'est assez sommaire. Hein, donc, en fait, où sont les graves, où sont les aigus? Les graves sont là. Ok. Et les aigus sont là. D'accord. Et du coup, ça permet d'avoir un son plus médium, enfin d'adapter en fonction du style. Toi, par rapport, par exemple, à une... je sais que tu utilises beaucoup, avec moi notamment, une précision basse aussi. Mm-hmm. On va y revenir, mais tu as aussi une Music Man basse de 1992, dont tu nous parleras un petit peu après. Concrètement, par rapport à une Fender précision que tu as l'habitude d'utiliser, ou à une basse très brute comme la précision basse, qui pour moi est la plus... brut, en fait, c'est un peu la télécaster de la basse, d'ailleurs c'est le cas. C'est une télécaster basse. Une Music Man
avec cette équalisation de bande, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est pas une question de forcément de préférence. Pour moi, c'est difficile de comparer deux modèles de guitare. Donc, je pense que c'est pareil pour la basse. C'est pas la même utilisation non plus. Mais sachant qu'on depuis tout à l'heure, on parle de polyvalence, l'équalisation de bande. Comment tu t'en sers et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Eh ben, justement, elle est très réactive au niveau des potards. Ça bouge. Il suffit de bouger un tout petit peu, ça bouge très vite, ça change très vite. Et du coup, c'est ça qui lui donne cette polyvalence de pouvoir... ça évite de retourner à l'ampli pour changer les réglages. Tu peux facilement couper un peu des aigus, de la brillance pour avoir quelque chose de plus rond. Voilà, en jouant un tout petit peu avec le potard. Et les basses, le potard de basse est aussi, on dirait, un bass boost tellement qu'il est... Ouais, justement, c'est ce que j'aimerais bien que tu nous fasses voir, notamment ces basses, mais aussi les aigus. Mortel, ces tonalités, j'ai adoré, notamment quand tu as coupé la tonalité, je me suis permis de te rejoindre à la batterie. T'as bien fait. Je sais que t'aimes pas ça, mais... Non, mais en fait, je me suis régalé parce que justement, ça invite à jouer de la musique, je trouve. C'est très très musical, ces réglages. Même quand t'avais pas de basse au début, ça peut paraître un petit peu maigre, comme ça, une basse qui est avec la tonalité à fond, grosso modo, sans les basses, juste les aigus à fond. Juste les aigus, ouais. C'est vrai que c'est un tout petit peu... maigrelet, mais en fait, ça a son charme. Ça dépend ce qu'on veut faire aussi. C'est vrai que pour jouer plus funk ou pour ce qui slap, c'est pas du tout mon cas, mais ça peut être. C'est vraiment, on peut vraiment le faire avec la brillance et la clarté et tout, c'est super. Après, quand t'as mis les basses en route, franchement. Très gros. Camion. Ouais. Franchement, j'étais vraiment surpris. J'étais à la batterie et j'avais l'ampli en face. Pourtant, on sort sur un 2-10, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Ouais, encore une fois, c'est un petit ampli réglé très droit. Pas particulièrement de. On n'a pas réglé pour le blues ou pour le rock ou pour le funk, c'est vraiment. Un son très standard et ça a ouvert, j'aurais presque rien touché après derrière, mais toi t'es encore allé plus loin, t'as coupé les aigus et là non, on a vu un son archi grave que le boomy, ouais. Ça donne envie presque de faire du jazz, du blues, enfin super instrument. Alors, je disais tout à l'heure que t'avais une Music Man. Voilà, j'ai ramené la mienne aussi. Pour 92, pour je crois. Qu'elle rencontre sa grande sœur. Voilà. Donc c'est le modèle 5 cordes. Mais voilà, c'est un modèle de 92, ouais, et puis ben ça bouge pas dans le temps, on n'est même pas obligé d'en prendre soin, parce qu'il y a plein de pintes partout. Ouais, c'est les marques de la vie, celle-là. Elle a bien joué, elle a beaucoup vécu, mais c'est d'une fiabilité, d'une très grande fiabilité, parce que ça bouge pas, ça se désaccorde pas. Au niveau réglage, franchement, on n'a pas besoin d'y revenir, quoi. C'est d'une grande fiabilité. C'est vraiment un gage de qualité, hein, les amis, généralement, quand on touche pas une guitare. Idem pour les basses, qu'elles restent la plupart du temps accordées. C'est le cas, là, tu la sors du case. Moi, c'est pour moi vraiment une marque de fiabilité, parce qu'après, c'est un instrument qu'on va emmener dans des conditions difficiles, sur scène, il fait chaud, voilà, ça bouge, le bois, c'est vivant, hein, donc ça se désaccorde. Ça... Et là, voilà, plus on a un instrument fiable et stable, mieux c'est. Et en plus, là,
super exemple, parce que c'est une 5 cordes. Voilà, en plus avec la 5e corde. Le manche est encore plus amené à travailler, parce qu'on tire dessus vraiment plus de fort. Tension dans le manche, et pourtant, non, c'est vrai que ça bouge pas. Puis en plus, le réglage de manche, si toutefois on devait bouger un petit peu, est très bien fait avec la petite molette. Ouais, on n'a pas besoin d'avoir la clé Allen, ça se fait avec une pointe de tournevis, c'est vraiment... En fait, quand on regarde bien, tout est mortel, tout est vraiment bien pensé, quoi. Là, c'est un chevalet un peu plus moderne. Quoique, en fait, non, presque. Non, c'est les mêmes, sauf que moi, j'ai pas les... Il n'y a pas les pontées, pardon. Ouais. Voilà, donc c'est assez... En fait, ça paraît assez basique, mais c'est d'une extrême qualité, vraiment de très grande qualité, avec ces petites molettes, c'est super fiable, super facile. Encore une fois, on a touché tout à l'heure, ça n'a pas rebougé. C'est les mêmes mécaniques aussi, chaleur, enfin... Voilà, c'est vraiment top du top. Elle est très, très jolie, ta basse. C'est vrai que moi, même si on se connaît, j'ai pas l'habitude de la voir, parce que tu joues pas avec ça dans mon projet, mais... C'est vraiment un bel instrument. Robustesse et polyvalence. Exactement. Donc voilà pour la Music Man Stingray 4 cordes. Ça me fait bizarre de tenir une basse dans les mains. C'est très grand pour moi qui suis tout petit. J'espère que ça t'a plu de tourner cet épisode avec nous. C'était un vrai régal. Ben merci, ouais, c'était un plaisir pour moi aussi. Ça fait plaisir de jouer de la musique aussi. N'oubliez pas d'écouter beaucoup de musique. Faites attention à la basse quand vous écoutez maintenant un disque de guitare, vous les guitaristes de Tone Factory. Pour les autres, bienvenue sur la chaîne, on était ravis de tourner ce premier épisode sur les basses. Il y en aura d'autres, notamment avec notre ami Dan Nambotin. Encore merci d'être venu, puis on se quitte tous les deux, on va faire un petit jam, parce que ça fait plaisir de jouer de la musique. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À très bientôt les amis, ciao.